C'est au cinéma Impérial à Montréal qu'avait lieu la première du film « Les trois petits cochons », un long-métrage réalisé par Patrick Huard. Webpresse.ca était sur le tapis rouge afin de rencontrer la distribution. C'est l'histoire de trois frères qui sont tentés par l'aventure extra-conjugale, mais il va y avoir des dommages collatéraux et ça va changer leur vie. Tu sais, des fois, il y a des gens qui ont besoin d'aller dans des situations extrêmes pour changer quelque chose. Eux, je pense que c'est ça qu'ils font. Par ça, ils vont provoquer des changements radicaux dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils vivent. Le premier perd sa maison. Il sera mort chez le deuxième. Qui perd sa maison, il sera mort chez le troisième. Et le troisième, c'est Monsieur Je sais tout. Monsieur, regardez, vous auriez dû m'écouter. Qui est la maison la plus solide dans le film? C'est pas évident de le savoir. Hein? Tu t'imagines, à un moment donné, tu dis « Ah, c'est lui! » À un moment donné, tu fais « Ah non, c'est pas lui! » Qui est la maison de paille, qui est la maison de briques, qui est la maison de bois? C'est pas si clair que ça. L'histoire commence là, avec l'accident de maman. Ça a été le déclenchement d'un paquet d'affaires qui a bousculé nos vies. La job est tough. Avec les enfants, c'est tough, puis... Notre vie est tough. Un gars qui baisse pas, il vient fou. Ok. En profiter, là. Solide. Chien sale. Crosseur. Un bonhomme approche 40. Il a une petite prise en vue. Je sais pas. Ce n'est pas un conte pour enfants. Le grand méchant loup, dans ce cas-ci, serait personnifié par une jeune et jolie demoiselle qui dirait allô. Ça serait plus ça qu'autre chose, je pense. Ça ressemble à un film d'auteur, un peu. C'est le jeu, c'est touchant, c'est attachant. Je pense que les gens vont s'attacher puis se reconnaître dans les personnages. En tout cas, du moins s'attacher, c'est sûr. Il faut qu'on arrête d'espérer l'amour parfait, l'amour idyllique, l'amour harlequin. Ça n'existe pas, il n'est pas comme ça. Il est un peu tout croche, c'est ce qui fait qu'il est plus beau que ça encore. C'est le 10 août prochain que vous pourrez voir Les Trois Petits Cochons dans tous les cinémas du Québec.